Pour eux, c'est plus qu'un entraîneur. Mohamed Magasouba est un guide, un conseiller et quelquefois même un père. La formation, Mohamed Magasouba a ça dans le sang, formateur donc, mais aussi bâtisseur. Un déclic, dit-il, qui lui est venu de sa formation à l'INF Clairefontaine. Depuis, Magasouba décline le modèle à tous les niveaux et toutes les catégories d'âge. Le football malien s'est structuré et ça se voit, que ça soit en moins de 17 ou en moins de 20 ans, les aigles brillent sur le continent, mais aussi au niveau mondial. Le fruit du travail d'un homme qui, depuis 2017, alterne les deux casquettes, entraîneur et directeur technique national. Impossible dès lors de renier cette équipe bâtie à son image et établie selon ses propres critères. Nous nous sommes dit que le talent seul ne suffisait pas, parce qu'au Mali, nous n'avons jamais manqué de talent. Depuis Salif Keita jusqu'à aujourd'hui, nous avons une génération, des successions de générations talentueuses, mais nous n'avons pas pu profiter parce qu'il nous manquait un petit quelque chose. Je crois que ce petit quelque chose-là, c'est du caractère. Du caractère, on en trouve désormais dans toutes les lignes de l'effectif malien. Du talent aussi, beaucoup, comme toujours. Les choix de Mohamed Magasouba de se couper de certains joueurs cadres des années passées ont quelquefois suscité des critiques au pays. Mais la mayonnaise a plutôt bien pris. La méthode Magasouba a porté ses fruits. Et la philosophie de base du football, le jeune, c'est qu'il faut leur donner du plaisir. Il ne faut pas mettre trop de pression sur le jeune. Mais il ne faut pas aussi leur laisser trop le champ libre. C'est ça que je fais. Je leur donne le temps, le plaisir autant qu'ils veulent, mais je ferme aussi le robinet souvent. Magasouba, protecteur, peut se muer alors en père fouettard, en témoigne l'exclusion en début de compétition d'Adama Niane en raison de son comportement. Depuis, le groupe malien s'est réduit de 23 à 22 joueurs, mais Magasouba assume. Avec ces Maliens-là, il ira au bout de ses idées. Il semble bien parti pour une cure de jouvence.